Non, on va faire ça différemment. Ça, je n'ai pas besoin de leur donner de la terre. Non, come on. Tu peux pas avoir 273 de dettes, Sin. Je viens de te donner de l'argent. Bizarre ton histoire. Je regarderai les conseillers après. Bizarre cette histoire. Pourquoi est-ce que Sin... Come on. Come on, Sin. Ah non, mais ils ont 273 dettes. Je leur ai donné 70. En me disant, ils ont moins 70. Ok. Ça m'embête, ce qui aime beaucoup, je trouve. C'est reconquête qu'on veut, pas conquête. Prendre la province légitime de... J'en sais rien, celle-là. Celle-là, elle est bien. Chandra, dralala. Voilà. Ouais, j'aurais pu les faire venir et pas leur donner de terre. Mais là, là, comme ça, ils viennent, ils se posent pas de questions. Puis s'ils ont pas de terre, ils ont pas de terre et plus de bois. Go. Ok. Très bien. Et puis, qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui, les conseillers. Alors... Effectivement, on a vraiment, vraiment de l'argent. Il faut prendre des conseillers meilleurs. Il nous faut surtout quoi? Du militaire et du diplo pour moi. Mais en fait, il nous faut tout un peu, en fait. Ce serait bien d'avoir quand même des niveaux 2. Parce que 3 niveaux 3, je vais pas pouvoir, le choper, quoi. Ça, c'est clair. Ça, ça va pas être possible. Pour le moment, on est focalisé en diplo. Donc, mettons que diplo, c'est peut-être le moins important, étrangement, pour nous, actuellement. Donc, allons chercher prestige annuel. Et puis, défense d'effort, arc. Non. Morale navale, droit de douane, bon. Bon, pour le moment, en tout cas, allons déjà comme ça. On fera autre chose après. Ok, toi, t'es... Deux de siège. Ok. Toi, tu vas aller par là pour aider si jamais, ou plutôt par là. Et toi tu restes ici, hein, et la store pour choper le truc. On va pas faire d'explorer, on va refaire quelqu'un. Du coup, ce serait qui? Ce serait Hypnon, me semble-t-il. Avec S, hein, c'est bien ça, me semblait. Juste contrôler. Oh oh! Bah voilà! Ah oui, j'oublie que je peux faire ça. Ah, il a 61 ans. Lui, peut-être. Mais l'autre, il a 61 ans, quand même. On va peut-être éviter. Alors, toi, tu vas plutôt prendre, du coup, Hypnon. Toi, tu vas aller... Là, c'est juste. Toi, tu vas prendre Pierre le Grand. Et tu vas aller à Mandou. Comme ça. Parfait. Ok. Et on va prendre ça tranquillou, on va prendre ça tranquillou aussi. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait un fort ici. Comment j'ai pu passer? Comment j'ai pu passer? Des trucs bizarres qui se passent dans cette partie, me semble, quand même. Pas pour vous, mais moi, je trouve qu'il y a des trucs bizarres qui se passent. Ok. Ça, c'est clair, ça fait partie, on est d'accord, hein, les trois quarts, on va tourner à cela. Tout ce qui est ici, on tourne de manière générale. Ok. Ouais, ça c'est l'objectif de guerre. Oh. Oh, il a 6 de manœuvre.
Oh, le fumier. Voilà. Très bien. Et toi, tu vas retourner par ici. C'est nickel. Ok. On a toujours un soulèvement potentiel à Pune. On va faire un peu gaffe. Voilà. Ben, c'était ça qu'il fallait faire. Petit stack, ouais. C'est bon. De ce côté-là, c'est bon. De ce côté-là, c'est bon. Je pense, mais je vois pas. Parce que au moment où j'ai regardé, où j'ai mis la pause, on était le 20 février. Donc, quand même. C'est dommage, du coup, on l'aurait pris instantanément. C'est con. C'est pas très grave, ça. Enfin, comme si ça prenait énormément de temps. Par contre, on va perdre quand même pas mal de réserves militaires si on continue à pas faire gaffe hein, à l'attrition. Donc, je vous propose de. Bon, on va pas passer en vitesse 3, mais on va faire un petit peu gaffe, mais pas trop non plus. Et puis. On va quand même faire ça comme ça. Hein. Je peux pas aller là, je peux aller... ok, d'accord, donc tu restes là. Eux, ils prennent l'objectif de guerre. Nous, on va se diviser en deux ici pour éviter... Ah, mais il y a aussi un... Y a de nouveau un fort là, j'avais même pas vu en fait. Un fort de niveau 2. Ok. On va faire la même chose. Vous, à part... okay. Non, quand même mettre 10, c'est toujours ça de gagner. Là, toi, tu peux te diviser en deux ici, pas de problème. Vous prenez ça. Et là, ok, très bien. Toi, même chose, mais bon, pour celui-là, on fait 100. Pour celui-là, on fera aussi un peu plus gaffe. Agent repéré, ça me surprend que très moyennement, pour être parfaitement honnête. Et j'ai un retour Windows. Again. Faut que je regarde ce que c'est, ces retours Windows, une prochaine fois, mais là, j'ai pas envie de commencer à regarder. Ça m'a jamais fait ça, hein, donc c'est vraiment très très random. Ouais, l'idée, alors là, en l'occurrence, l'idée, ce sera de prendre déjà tout ça. Et puis, ce qu'on peut prendre encore après de ce qui nous est pris là. Mais je suis d'accord avec toi, Nikos, le pack, ce sera l'idée. Ah ouais, effectivement, il y a 20K ici qui sont en train de prendre notre fort, là. Est-ce que j'ai de l'armée à donner pour ça? Pas encore, on s'en occupera après. Hop. J'ai pris ça. Le siège de Kalinjara. On va, pourquoi pas, aller s'occuper de cela là-bas en bas. Ici, on tourne à Barmanis. On tourne à Barmanis. Ça aussi, je crois pas. Hein. Nope. On va éventuellement sortir d'autres vassaux. Ok. Come on. Non, non. Ah, mais oui, parce qu'il y a... Ah, mais en fait, ils l'ont pas pris ce fort. Ok, bon, bah attends, toi, tu vas aller. Ouais, non, on va. Ah, mais je peux pas aller là, du coup. Ah, ouais, du coup, c'est pour ça on a pu passer. Mais on peut pas... Ok, c'est un peu particulier cette histoire quand même. Là, je peux pas aller là. D'accord, là, je suis complètement bloqué sur cette province, à moins de venir aider. Ok, ce qu'on va faire au moins, du coup, on va te donner nos canons. Ça va aller un peu plus vite. On peut prendre une tech diplo, los. D'autant plus, ça devrait pas nous coûter très très cher comme guerre en termes de points diplo, donc ça joue. Toi, tu vas aller prendre ça, toi, tu vas aller prendre ça. Ok. De ce côté-là, on est bien. Ah, mais il va sur l'objectif de guerre. Non, il va pas sur l'objectif de guerre. Je sais pas sur quoi il va. On va essayer d'aller là. Il a 3 de manœuvre. On en a 3 aussi. Est-ce qu'on va y arriver? Je suis pas sûr. Ok. Shoot. Bon, c'est pas grave, du coup, toi, je t'ai déjà fait avancer, tu retournes ici, toi, tu reviens là, ça passe à Barmanis, ok, et puis ici, ouais, ici, le problème, c'est que du coup, on est complètement bloqué avec nos 10 canons, enfin, on n'est pas complètement bloqué, mais... Ouais, on va éviter de reperdre des canons... Hein. Tant pis pour ce siège pour le moment. Ah!
Retour Windows again, c'est pas possible. Je sais pas ce que c'est, ça me gonfle. Le sang va couler. Ouais, bref. Ok, on sait. On va reprendre tout ça, du coup. On se concentre un petit peu. Toi, alors eux s'occupent de ça, c'est très bien. Toi, t'as 4 de siège, ça sert vraiment à rien que tu restes ici. Va t'occuper d'aller prendre le fort d'après, par là plutôt, s'il te plaît. Merci. Ça, on va le tourner sur Barmanis aussi, ça me paraît une bonne idée. Et puis. Mal au dos un peu. Ici, c'est du couleur Synd, pourquoi pas. Hmm. 41. Ok. Donc toi tu vas rouler là-dessus. Toi tu vas venir ici. Ok, pour le moment ça on le tourne aussi à Barmanis. Toi tu vas aller prendre ça. Et toi tu vas aller là-dessus. Ça on le tourne à Barmanis aussi. Ça y a pas besoin. Hein. Non, non, c'est pas ce qu'on prend pour le moment. Non. Rien de particulier. Le Chagatai, ouais. Ah, là. Ça. Il va où, Chagatai? Là. Ok. Je sais pas si on arrivera assez vite. On va essayer. Malheureusement pas. Malheureusement pas. Ok, soulèvement indigène. Ok. Là, on va donner 10 troupes, 10 canons sur le guild. Ouais. Ok. On va les choper. Faire un petit peu gaffe quand même. Et là, on devrait arriver. Ok. Alors. 14 mars, parfait. Là on est ok. On a pris ça, on peut aller prendre ça maintenant. Parfait. Ça, c'est pas des trucs qu'on va tourner, hein. Ça appartient à autre chose. Ok, alors toi, t'as qui comme général Elestor, va par ici. Toi, t'as qui comme général Sedan, va par là. Ok, on a encore des rebelles, sérieusement. Ah mais j'ai pas... faut que je reste là. Bien que non, j'ai pas besoin de rester là. On va se faire tout seul. Parfait, ok. On peut toujours faire un seul état, mais il vaut pas la peine d'être fait. Et puis... Synd est en train de se faire occuper, on s'en fout un peu. Par contre ça, ils sont toujours en train d'occuper notre vassal, c'est un peu gonflant. C'est pas très très grave, retour Windows. Je sais pas si c'est le jeu, y a personne qui a eu des trucs comme ça aussi. Je vois pas trop pourquoi j'ai des retours Windows, j'ai jamais eu de retour Windows et là tout d'un coup ça revient. J'essaie de réfléchir pourquoi au début j'avais des retours Windows au début de la partie, puis après au bout d'un moment j'en avais plus. J'ai relancé le jeu. J'arrive pas à trouver de raison qui fait qu'on a ces retours Windows, je sais pas. Chagatai, j'ai pas regardé Chagatai, à part ça, ça se trouve, on peut peut-être les sortir. Hein. Non. Parce qu'on n'a rien chez eux, non. Bon, en même temps, on va pas aller jusqu'à là-haut, hein, encore une fois. Alors, ici, l'idée pour moi, c'était de faire un truc comme ça. Ok. Ici, tu peux aller, non. Par là, ou même par là pour commencer. Je pense que ça pose pas trop de problèmes. Faudrait prendre ça, ce serait intéressant. Vite faire ça. Et puis ça devrait jouer. Ah, nos fameux rebelles. Enfin, tu vas d'abord là, puis ici en fait. Comme ça. Parfait. Ça devrait jouer.
Moi, cette semaine, comme je disais, la dernière fois que j'ai joué, c'était mercredi, pardon. Mercredi, il y avait le patch 1.27, mais il n'y avait pas le patch 1.27.1 qui est sorti. Donc peut-être qu'en bug fixant certains trucs, ils ont mis d'autres bugs. C'est possible, hein, ce ne serait pas la première fois que ça arrive dans la programmation d'un jeu vidéo. Ah. Non, mais en fait, ouais, enfin, on peut le faire quand même, c'est pas grave. Détail. Ok. Est-ce qu'on a tout donné ce que Barmanis veut à Barmanis? Ouais, à peu près, hein, sauf ça, parce qu'on ne l'a pas encore pris. Ici, toi, tu vas gentiment prendre ça. Après, tu viens ici. Toi, tu vas là. Toi, tu vas ici. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Ou là même, en fait. Pas idiot. On peut même déjà le faire maintenant en fait, hein. Je pense que ça pose pas de problème. On n'a pas de problème avec les marins, hein. On est. Enfin, c'est des marins, quoi. Donc on peut déjà le faire tranquille. Puis laisser le reste de la flotte d'ailleurs s'occuper du commerce sans que ça pose aucun problème. On a fini un siège de plus. Ils ont encore des forts, ces gens-là. Celui-là, là. On est en train de l'assiéger. Ok. Ben, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est aller là, quoi. Ça va prendre un moment, ils sont de l'autre côté du pays, mais c'est pas grave. La paix qu'on peut faire maintenant. Surtout Windows quand même. Qu'est-ce qui peut faire ça? C'est de virer encore peut-être un autre programme, quelque chose comme ça. Mais... Ok, on peut tout prendre. Pas ça. What? On peut effectivement tout prendre, ça nous fait pas tellement d'expansion agressive pour le moment, et puis si... Alors, nos revendications à nous, elles vont où? Donc ça, c'est ce qu'on est en train de prendre, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5 provinces là. Okay. On peut pas toutes les prendre, on peut pas prendre celle-là là, mais on pourrait prendre ça. Ouais, ok, ça joue. On pourrait prendre plus, hein, mais bon. Hello, Elouan Schirmer, bienvenue sur le live. Ouais, non, c'est pas ultra dérangeant, hein, ça peut. Dans certaines situations, ça pourrait être problématique, honnêtement, s'il y a un retour Windows au mauvais moment. Mais j'avoue que c'est un petit peu gonflant, c'est tout. Je pense bien que pour le live, a priori, ça ne change pas grand-chose. Donc tant mieux. Vu que je suis en capture de jeu et pas d'écran, donc il n'y a pas le... Vous voyez pas, en fait, le retour Windows. Donc on pourrait prendre ça. Et du coup, il nous manquerait, on est d'accord, juste une province. Mais je peux pas la prendre, de toute façon, je pense qu'elle est trop chère. On va quand même essayer. Prenons ces deux provinces-là, en fait. Toi, va ici. Et toi, va là. Ça, c'est important. C'est les deux provinces qui pourraient être intéressants de prendre. Ouais. Ici, on récupère ça. Nickel. Ici, on va passer ça du côté de Barmanis aussi. Comme ça, c'est fait. Puis quand c'est pris, c'est moins cher en score de guerre. Hein, quand c'est occupé. Donc... Ok, c'est pas grave. Séparatiste quoi, d'ailleurs? La maison Salouva, à l'amitié éternelle. 1, 4, 3. Ok. 3, 2, 3. Aucune proposition de loi au Parlement. Alors, on est dans une guerre en plus. Ça peut être intéressant. Le coup des conseillers. Politique d'assimilation et colonisation. Gain de 69 000 en réserve militaire. Lol. Ouais, c'est très très bien. Si on était dans une guerre. C'est génial à voir ça. Hein. Si on était dans une guerre vraiment problématique. Vraiment cher en termes de manpower, ce serait génial. Actuellement, c'est pas vraiment nécessaire, honnêtement. Je pense qu'il y a mieux à choisir pour nous. Moi, je dis ça en même temps.
De toute façon, on aura des trêves maintenant pendant un petit moment, je pense. Diplomate plus 1, mais... Coup des conseillers moins 10, c'est ce que je choisirais, honnêtement. Ça, je m'en fous. Donc, ce serait plutôt ça, quand même. Ouais, c'est vraiment énorme, c'est clair. Mais en même temps, j'essaie juste de réfléchir. Une fois qu'on a fini cette guerre avec Malwa... Qu'est-ce qu'on va faire? On va manger nos vassaux, ok, bon ça c'est une chose. Les deux d'ailleurs, Andra, je pense qu'on doit pouvoir le faire, il n'y a plus tellement de raisons de ne pas le faire. Mais... Non, hein, on est d'accord, donc Andra c'est de toute façon le cas. Barmanis, il n'y aura plus de raison de le faire non plus, je pense. Non, effectivement, on aura tout récupéré, donc on va manger nos deux vassaux, peut-être essayer de coordonner ça. Détail, quoi, enfin, en bref, on n'attaquera pas tout de suite. Ici, on aura des provinces qui seront à nous, je pense qu'on va les garder, donc on aura éventuellement de quoi attaquer Delhi, assez vite. Ça pourrait être intéressant, du coup, de le faire très vite, et de profiter, du coup, de ces réserves militaires. Parce que l'autre truc, c'est que le coût des conseillers, moins 10%, c'est bien, mais c'est que 10%, c'est pas non plus... c'est moyen. Salut PLT Géo, bienvenue sur le live, je dirais politique Géo peut-être, ou géopolitique, politique Géo. Il y aurait l'Indonésie effectivement à attaquer, mais bon, je suis assez pour les conseillers quand même, personnellement. Je pense pas qu'on aura de problème de réserve militaire, sincèrement. Soutien militaire. Régiments provinciaux. Perte de 2% de professionnalisme de l'armée. Ok. Ah, c'est pas... J'ai pas vu, mais on est bien au-dessus de notre limite de flotte, en fait. Je pense qu'on a volé plein de bateaux. Ouais, ok. Soutien administratif. Je réfléchis à ça. On a la tech à prendre, mais c'est vraiment le seul où on n'a pas de doctrine. Hein. Le soutien administratif, c'est peut-être le mieux, en final, pour nous. Allons-y. Soutien aux populistes. Ok, moins 5 points de réforme gouvernementale. Non. L'usage du domaine royal. Oui, vas-y. Et c'est tout? Ah non, il y a tout. Concession au Vaishyas. Il gagne 2 d'influence. 2 d'influence, les mecs, sérieusement. 2 d'influence. Ouais. Soutien aux populistes. Nah. Trouver un responsable. Le réformateur militaire crève. Il est vieux. Il est vieux. On verra. Soutien aux populistes, non. Ignorer la corruption me pose pas de problème. Deux fois, s'il faut. Soutien militaire m'embête un petit peu. Si je peux éviter. Je préfère quand même perdre 10 points de puissance militaire que 2% de professionnalisme de l'armée, honnêtement. Donc, mettons soutien militaire. Et puis, il faut encore trouver quelque chose. Bon, on va trouver un responsable. Mort de notre réformateur militaire. Et on a le coût des conseillers qui est moins cher. Du coup, on peut changer de conseiller et charger éventuellement un conseiller... Combien on a pris de corruption? Presque rien. Si, je paye pas. Ok, 24. Prendre un conseiller militaire un peu plus balèze. Bon, mais lui... On va... voilà, ça va coûter, mais tant pis. Honnêtement, j'ai vraiment... Défense des forts, c'est vraiment... Ouais. Enfin, vous me direz, on est dans une guerre, donc c'est vrai que ça pourrait avoir son intérêt. Rebelles, c'est des... la populace maïsourienne. Windows. Où est-ce qu'elle est la populace maïsourienne du coup? Elle est à Savanou. Désolé, mais je sais pas quoi. Il faudrait vraiment qu'on puisse voir sur la map. Bon, vous me direz, on doit pouvoir voir sur la map, en tout cas partiellement. Agitation. Ouais, je pense que c'est ces provinces-là en fait. Ouais, c'est ces provinces ici. Ok, c'est un peu tout au même endroit. Il y a peut-être même moyen de la gérer. Ah, ça va être vraiment compliqué parce que c'est dans plein de coins, quoi. Dans plein d'états. Bon, pour le moment, allez déjà vous mettre ici, on va dire, et attendez tout ça. Ici pour le moment. Ok. Ouais, c'est un peu. C'est pas vraiment de la corruption en fait. C'est. Des fois, la frontière hein, entre politique parlementaire et corruption, elle est mince. Dans le sens où c'est du lobbyisme, on rend un service pour quelqu'un et puis il vote pour nous.
Ouais, on pourrait assimiler ça en quelque sorte à de la corruption. Mais... D'un point de vue du jeu, en tout cas, ça fait pas monter la corruption. Un fort de plus. Où est-ce qu'on en est? On a un petit bout encore. Et malheureusement, cette province doit être vraiment très très chère. Non, mais ça va en fait. Parce qu'il me semble qu'il y a vraiment un... pas moyen d'aller la chercher. Non, ça nous... Elle nous coûte 16, celle-là, là, de score de guerre. Ça va être vraiment difficile, effectivement. C'est dommage, parce que c'est tout ce qu'il nous faut, c'est ça. Hein. C'est tout ce qu'il nous faut après pour avoir notre succès, quoi. Exactement. C'est la province qu'il nous faut pour avoir notre succès. C'est un peu frustrant, quand même. Ouais, la mort du... Ouais. Ouais, alors, d'ailleurs, tu me fais penser. Ah, mais je te déteste, Europa Universalis 4. Je te hais. Qu'est-ce que tu... Bon, ben, on va reprendre celui-là. Ouais, c'est vrai que c'est un peu extrême. Ouais. Ok, on se bat contre la corruption, d'où le problème financier. En même temps, je leur demande pas d'argent, je leur demande rien, on est d'accord. Hein. Tout ce que je leur demande, c'est les provinces. Est-ce que, au lieu de faire ça... Effaçons l'offre. Si au lieu de faire ça, je prends simplement tout. C'est-à-dire, c'est... Ça, ok. Y'a rien à faire, hein. Ça veut pas. C'est 92, c'est la même chose. Ok, tour Windows. Je vais pas relancer le jeu après, hein, ma foi, tant pis, on va aller comme ça. Déjà niveau 2, je pense que c'est pas mal. Ouais, ça ira, tranquille. Sachant qu'on paye nos bateaux, on paye la totale. Hein. Ah oui, mais tu n'es pas l'observateur de la store. Ah, oui, aussi en fait. Tu l'as été aussi. Ok, on va attaquer ici. Même ça, on récupère. Ça devrait aller un petit bout. Ça, par contre, c'est vraiment stupide de prendre de l'attrition ici. Pierre le Grand. Okay, en plus, il y a les bateaux d'Andra, c'est cool. 71. Shiva dissimulé. Ah, vous ne pouvez vous empêcher de penser que, lors de vos recherches de connaissances spirituelles, celles-ci vous échappent délibérément. Si le divin est présent en toute chose, comment sa nature peut-elle échapper à celui qui le cherche? Vous posez la question à Ramachandra Goda, qui reste un moment absorbé dans ses pensées avant de répondre. Ramachandra Goda, c'est qui? C'est un Noga? Ouais. Ok. C'est un philosophe. Ouais. Le Seigneur Shiva dissimule la grâce de sa création. Le comprendre lors de votre quête est la première étape d'une meilleure compréhension du divin. Car si la vérité n'était pas cachée, il n'y aurait pas de quête. Je vais tenter de comprendre le sens secret de tout ceci. Je me retire dans la contemplation. Yep, let's go. Ou on gagne 2 de prestige. On va sortir dans la contemplation, clairement. Ok. Le son bug. Le son du jeu ou le son genre ma voix aussi? Normalement, ouais, Mandla, ça aura une frontière avec Delhi. On peut presque d'ailleurs déjà hein, éventuellement faire une petit réseau d'espions ici. Me frustre un petit peu cette paix quand même. Qu'est-ce qu'on peut... On va te mettre ici pour arrêter de prendre de l'attrition, ça va tomber tout seul, ça. Il n'y a vraiment pas moyen d'aller chercher ce machin. On va revenir de là, hein, c'est plus un souci, on n'a plus rien à... Il n'y
Il y a vraiment, vraiment pas moyen d'aller chercher, chercher plus. Frustration. A priori, non. Tant pis. Il y a juste une province qui nous manquera pour aller faire ça. Juste le son du jeu, ok. Delhi t'aime bien, donc kill Delhi. Ouais, c'est logique. Afghanistan, Transoxiane et U. On va être en guerre contre U. Ça aurait pu être pire, hein. On peut avoir tout l'alphabet, on sait rien. Ouais, et puis on en est où, à part ça, dans la possibilité... Ils accepteraient ça, hein. Retour Windows, encore une fois. Ils accepteraient ça. J'ai l'impression, je sais pas pour vous, j'ai l'impression que quand je suis sur ce... Non, je suis pas vraiment l'impression que c'est quelque chose que je fais ou quoi que ce soit. Le son, c'est possible. On va... il est où le panel? Comment je peux l'ouvrir, le panel musical? Normalement, je dois pouvoir l'ouvrir, non? Ah, enfin, De hominis dignitate. Si jamais. Je me demande si ça peut avoir un lien. La tech admin. Non. J'essaie vraiment de réfléchir à une. Quelque chose qui ferait que ce serait moins cher en fait. Il n'y a clairement pas ça. Clairement pas ça. Pas ça non plus a priori. Je crois pas en tout cas, ça ne me dit rien. Ce serait éventuellement. Ouais, l'efficacité administrative peut-être. L'astuce de guerre, ça n'a rien à voir. Non, je crois qu'il n'y a vraiment pas moyen. Bon, c'est pas grave. Non, le réseau, c'est pour les technologies. Pour avoir des rabais sur les technologies. Maintenant, je pense que c'est plus nécessaire, d'ailleurs. Non, c'est plus vraiment nécessaire. Mais pour la tech admin, par exemple, tu vois que j'ai quand même 3,8% au maximum. Je pourrais avoir 5% de rabais sur la tech. Actuellement, ça va, mais on sait jamais. La prochaine tech étant le commerce mondial... Faudra voir si on peut l'améliorer, mais c'est probablement pas ça. Ce sera probablement pas le cas. Parce que le problème de voler des cartes, c'est qu'il faut avoir des troupes dans la province d'à côté, donc c'est pas top. Mais bon, je pense qu'on va, on va prendre cette paix hein, avec Maloua. On va la faire du coup la plus courte possible. Hein, puisqu'on peut pas. Donc on va pas leur prendre d'argent, on va pas leur prendre d'autres trucs. On s'en moque un petit peu, honnêtement. Financièrement, ça joue, on est ok. Donc on va aller dans ce sens-là. Et puis, ben, comme ça, on aura une trêve un peu moins longue, alors, en détail, hein, fondamentalement, que si on faisait... Bon, on aura 14 ans de trêve, quoi. Non, je vois toujours rien en Europe. Non, non, je vois même plus le Pacifique que je vois l'Europe, pour être honnête. Donc, allons-y. Ok. Nous, on va légitimer tout ça. On va pas le donner à Barmanis. Hein. Je veux légitimer ça. Comme ça, je peux moi-même me débrouiller pour tout ça. Et puis, je vais gentiment regarder pour manger mes vassaux maintenant. Ce qui va faire mal au point du plot, d'ailleurs. By the way. Toi et toi, vous allez vous mettre par là. Toi et toi, vous allez vous mettre ici. Toi, vous allez vous mettre là. Et on va donc regarder. On va revenir. Non, on va pas revenir de Delhi pour le moment. On va déjà voir un peu où on en est. Alors, Andra. On va améliorer les relations jusqu'à avoir 190 de relations avec vous. Vous, en fait, on est loin de pouvoir le faire. Donc, bon, Barmanis, on va vous garder un moment, malheureusement. Et puis, Andra, par contre, on va vous bouffer dès que possible. C'est-à-dire maintenant, en fait. Pas de raison d'attendre. Tour Windows. Là. Ouais, c'est clair qu'on a un petit peu grossi, que Maloua a un petit peu maigri hein, sur le deal. En plus, ils se sont fait couper en deux, c'est assez laid. Il y a un petit peu de border gore, mais bon, c'est pas grave. Alors, exiger l'annexion, ça va nous prendre 5 jusqu'en 1603. Okay. Ça va être un peu problématique. Hein. Il nous faudrait un conseiller niveau 3 maintenant ici. Morale navale, c'est tout nul. Par contre, droit de bonne, c'est tout nul aussi. Réseau d'espions, c'est tout nul aussi, en fait. Bon, on verra, hein. On essaiera de trouver mieux. Mais de toute façon, je pense que c'est une bonne chose. On va continuer notre réseau d'espions du côté de Delhi. Alors.
On a des généraux partout. On a par contre plus du tout du coup de... d'explorateur, ce qui est un peu dommage. D'avoir des stacks de 31, ça me déplaît passablement. Cela dit, on a presque la place d'en refaire un, quoi. Mais bon, ça vaut pas forcément la peine. Pour le moment, on continue où on en est. Ouais, c'est ça, il fallait... Il exagérait, en tout cas.